Et les gens, bienvenue sur frappestejeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur Assassin's Creed 4. Parce que t'as tort, BG, Black Flag, je n'étais pas en train de manger du chocolat. Et j'ai les témoins. C'est vrai que tu vois une autre vidéo en live. Mais tu veux dire que c'est la première fois que t'en vois une ici ou c'est la première fois que t'en vois une tout court en live? Ce serait bien que j'enlève l'ardoise, peut-être, non? Du coup... Le chocolat, c'est la vie, exactement, mais là, j'en mangeais pas, parce que j'ai faim, j'ai très faim, mais j'ai plus envie de choses à base de pâtes, en fait, que ce soit des beignets, ou des trucs comme ça. J'ai plus de pain, Isa, j'ai fini mon pain hier matin avec Bobby. Enfin, Bobby était pas là, mais j'étais en discussion avec Bobby pendant que j'ai terminé mon pain. C'est-à-dire, comme il y avait quasiment plus personne sur le live, vers peut-être 5h du matin, ou 6h, je sais plus, 5h, à un moment, on s'arrêtait de jouer, on a fait une pause, lui il est parti prendre un café, etc. Et moi je... Enfin, je crois que c'était un café. Non, c'était peut-être pas un café. Si, c'était un café, je sais plus. Et grignoter un petit machin vite fait, et du coup, j'en ai profité, moi, pour de mon côté, pour terminer le pain qui me restait. En même temps, il aurait été trop solide, je pense. Sinon... Padam padam, padam, padam 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 padam. Les tartines virtuelles. Salut Néo, comment vas-tu? Ça faisait un bail. Bah écoute, possible, je me rends pas forcément compte du temps qui passe, étant donné mes activités. Quoique là, je crois que je suis à 58 heures de live sur la semaine, cumulé, et presque 60 du coup, si on fait les mêmes soirées que les précédentes. Donc on est reparti sur le bateau. Enfin. Bah écoute, ça va. Pas très réveillé, mais ça va. Naviguons, mère, merci. Oh ! Arrête, mais moi pareil, là, j'ai une énorme envie de fromage de chèvre, de cantal, etc. Je vais attendre mi-juillet pour faire mes courses. Mais là, j'ai l'impression que ça fait des semaines... Bon, en même temps, ça fait des semaines que j'ai pas eu l'occasion de manger du fromage. Et ça me fait trop envie. Je ne peux pas dire le contraire. Là, non, ça m'intéresse pas. On y est déjà allé. Là, on a le fort, mais je pense qu'il faudrait quand même que je m'améliore un petit peu avant. Non? Où est-ce qu'il reste, l'assassin? Rien ici. Je cherche les coins où on n'a pas fait les missions de l'assassin, en fait. Une grotte à giguer. Tu es trop claqué. Bonne nuit, Isa. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas. À la prochaine. Mais qui est claqué, quand même? C'est pas bien, madame. En plus, tu vas réussir à te recadrer comme ça. Donc, on ne verra plus les nuits de live. C'est quand même terrible. Grosse tome de chèvre. Non, mais c'est ça qu'il faut que je me prenne la prochaine fois que je fais des courses. Je vais me prendre les petits crottins de je sais pas comment on appelle ça, là, de chèvre. Je vais me prendre un gros truc de chèvre et puis je vais dire voilà, là on pose les choses, on y va. Salut Didoun, comment vas-tu? Je crois que j'ai quand même essayé d'attaquer l'effort. Hein. Hey, merci Sofiane. Merci beaucoup. Sofiane qui vient de m'offrir The Ton of Light. Vas-y, on essaiera de le faire prochainement celui-là. Et Observer. Merci monsieur. Bon, je validerai les cadeaux une fois que j'aurai fait les screenshots. Merci beaucoup. On sait pas, on verra bien Eti. Non, m'abandonne pas. Merci beaucoup Sofiane, merci beaucoup. Merci. Enfin bisous, c'est peut-être pas forcément le truc le plus logique à dire, mais bon. Mais quelle idée d'être malade en plein été? Faut corriger ça, Didoun. Mets dans sous une couette avec plein de petits trucs à grignoter, tout ira bien. Il y a 3 points, celui-là il va être long quoi.
Salut Sirius, effectivement ça fait un bail, comment vas-tu? Tum tum. Et ça me rappelle que je n'ai toujours pas fait le plein de d'équipage. Veuillez patienter. Une autre chanson, s'il te plaît. En plus! Merci beaucoup, Sofiane. Sur le porte-monnaie, là. Merci beaucoup, c'est plaisir. Je suis gâté aujourd'hui. C'est monsieur qui t'a filé son rhume en plus. Non, mais quelle honte! Quelle honte! Ça fait des jeux de survie, ça refile son rhume à sa copine. C'est quoi ce travail? Ah bah écoute, l'avantage des dépressions, c'est qu'on peut en sortir. C'est pas comme le cancer ou... Bah cancer, on peut sortir du cancer ou autre. Et bon, tant mieux, si ça va mieux, écoute, tant mieux. L'important dans la dépression, c'est de vite y passer. Enfin, vite traverser la période. Tout cas, courage à toi. J'essaie de passer entre les boulets, mais vous voyez, ça a rien fait, j'ai l'impression là, mon tir de... Il va falloir que je fasse gaffe parce que... Je vais tourner de l'autre côté là-bas parce que... Ils sont solides ceux-là, hein. Mais non! Manquait plus que ça une tempête, quoi. Bah ouais, je vois bien qu'il est à bout. Oh là là, c'est tellement mauvais ça. Ah, je l'ai eu. Si je coule pas maintenant, ça doit le faire. Non mais qu'est-ce qu'il nous fait le bateau là? Il est où? Ouah, attendez, il y a ça là. Il est cassé celui-ci, comment ça se fait qu'il soit cassé? Pourquoi t'es cassé toi? Je t'ai rien fait pourtant. Je m'attendais pas à ça. Ah bah écoute. L'important c'est que ça s'arrange, comme on dit. Je viens de gaspiller tout quasiment toutes mes balles. Catastrophique. De lui offrir un jeu. Mais il avait choisi son jeu, je sais même plus. Pour mon anniversaire.
C'est bon, les amis. J'ai cru vraiment qu'on allait encore perdre un morceau d'équipage. J'arrivais pas à tuer l'autre. En même temps, je suis bête, c'est marqué ici. S'il avait pris son jeu ou pas. Scénarium, ouais. Et toi aussi, tu l'avais pris. Donc, il a eu un jeu il y a pas longtemps. Il triche. Réparer Jack Do, envoyer la flotte de Kenway. Réparer Jack Do, bien sûr. Avec la mise à jour. Pourtant, j'ai coché qu'il a vu ce qu'il fallait, ce qu'il voulait. En fait, je m'en fous. Eh ben, qu'il fasse feu s'il veut. Moi, je veux juste monter là-bas. Je sais plus. Parce que toi, je me rappelle, c'était bon. Et du coup, c'est vrai que pour lui, peut-être que je... Bah, je lui avais déjà envoyé des jeux. Là, il fait des jeux, il me semble. Mais écoute, je ferai ça, ouais. Pourquoi je peux pas? Ah, c'est parce que je suis encore en conflit avec le Gugus là-bas, d'accord. On va attendre qu'il se présente, hein, viens là. Attention, Edward. Même pas eu, quoi. Mais il est surpuissant ce truc. C'est quoi ce bateau surpuissant là? Je crois, ouais. Pourtant, il est pas plus puissant forcément que les autres, hein, j'ai l'impression. Je pense que juste qu'il avait un bon niveau. J'ai fini. C'est pas trop vite les munitions. Et voilà. Ah, j'ai tué un des membres de mon équipage. Iti, félicitations, bravo. Magnifique. Voilà, c'est que j'ai coché le fait qu'il avait reçu un jeu parce que tu t'en as envoyé un, c'était pour ça en fait l'histoire. Je pense que c'est pour ça. Je m'étais trompé à ce moment-là. Agrippez-vous, on va toucher. Non, mais on touche rien du tout là, il coule, c'est tout. Ouais, non, ça va pas le coup. Qu'on le termine une bonne fois pour toutes quand même ce truc là. Bon, encore merci Sofiane. Bon courage. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et à la prochaine. Merci beaucoup encore. D'accord, elle est dans une zone quand même qui est assez complexe il me semble. Puisque c'est un fort quand même de niveau 3. Ce n'est pas rien. BG,
Ça te dirait d'écrire un quiz sur Assassin's Creed? Je précise que j'ai posé exactement la même question à... Enfin, pas la même, tout à fait. Mais plus ou moins la même question à... Je m'en vais. C'est pas là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Je l'ai pas tué. Au grand mot, les grands remèdes. Ah, Q, on a eu la même idée en même temps. Un quiz. Le sujet du quiz, c'est connais-tu? Connais-tu? Même sur d'autres jeux. En fait, pour t'expliquer rapidement, normalement, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Il me reste plus qu'un plugin à acheter pour FTJ. Mais les deux derniers plugins que j'ai achetés, c'est un plugin pour les notifications. Et un plugin pour les quiz. Donc ça permet de faire des quiz sur la personnalité, tu sais, quelle personnalité êtes-vous, machin. Enfin, tu réponds à des questions et ça donne une personnalité. Et il existe un autre type de quiz, du coup, qui est... Connais-tu bien le jeu? Tu les vois sûrement passer souvent sur Facebook, ce genre de quiz. Donc voilà. Étant donné que tu connais bien la saga Assassin's Creed... Et que tu apprécies l'univers, etc., etc. Je me dis que si tu en as la volonté et l'envie, tu peux t'amuser à écrire des quiz. Soit des quiz générales. Tu sais quoi? C'est étrange, parce que c'est ce que je me disais. Comme question, genre, un quiz à la BG, ça ferait aimez-vous? Enfin non. Pensez-vous que Breath of the Wild est un bon jeu? Réponse 1, non. Réponse 2, non, pas du tout. Réponse 3, non, chaud, ne pense pas. Comme quoi, tu vois, j'étais pas si loin, hein. Bon, ça c'est fait, mais y a pas de zone où je peux. Ah, attends, y a le truc du requin là. Grand requin blanc. On va aller le chercher parce que j'en ai besoin du grand requin blanc, il me semble, pour me faire un truc. Pardon. Et après, on ira s'occuper du dernier fort. Une petite figurine du SDH Seigneur des Anneaux? C'est un peu comme les Warhammer, c'est ça? Bonne nuit, Celt, fais de beaux rêves, prends soin de toi, à la prochaine. Bon courage pour la journée qui s'annonce. Moi, qu'on est vendredi, ça va bientôt être le week-end, tu seras libre. Et ça se trouve, t'es même déjà libre, je sais plus si c'est pas toi qui travaillais pas le vendredi. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui travaillait pas le vendredi, je sais plus. Bref. En tout cas, prends soin de toi, fais de beaux rêves, bonne nuit et à la prochaine, madame. Vendre produit de chasse, non, j'ai pas envie, à moins que j'ai des choses qui ne me servent à rien. On va rester sur là-dessus. J'ai 24 000, on va commercer. Non, toujours pas trouvé le plan. Ça, on peut toujours pas l'acheter. Voilà, mais t'es même pas obligé de... Tu sais, en fait, tu peux regarder, t'as plein de possibilités. Tu peux mettre une image de personnage en disant quel est le nom de ce personnage-là, ou des choix à questions multiples, enfin des choix, des questions à choix à réponses multiples. Y a plein de possibilités offertes par le quiz. Just eating. Winter. Where did say it? T'as lu. Eating, it's my name. Omar surname. Ou les claquons le peu qu'il nous reste.
Et tu peux faire ça sur plein d'autres jeux. Mass Effect aussi, si t'en as envie. Hein. Bah, en gros, attends. Attends, attends, achat. Quoi que je ferais ça entre deux rediffs. Je t'enverrai ça, tu verras. C'est quand même sympa, je ferais plutôt ça entre deux rediffs, le temps que je trouve le lien et tout. Je t'enverrai peut-être la documentation pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble. Au niveau des possibilités offertes. Mais je me dis que ça peut être super rigolo d'avoir des quiz sur le site. Commercer, je voulais aller voir aussi du côté des apparences du Jackdaw peut-être. Parce que ça peut pas te coûter non plus super cher. Là, j'ai plus assez de tissu. Ce qui est fort dommage, il faut se le dire. Et donc à la fin, ça va faire comme sur les trucs que tu vois partagés sur Facebook. Tu sais, en disant, bah oui, vous êtes un super connaisseur d'Assassin's Creed, vous avez trouvé 15 réponses sur 15. Tu vois, vous êtes un maître assassin, vous avez trouvé 15 réponses sur 15. Donc ça partagera ce genre de choses ensuite, une fois que les gens ont terminé le quiz. Ou vous êtes vraiment une quiche, vous avez... Vous êtes un templier, vous n'avez rien compris aux assassins. Comme la team chien, quoi. On va se déplacer là-bas rapidement. Goodbye, far away. J'ai jamais les paroles de ce truc. Et oui, bientôt les 11 ans de FTJ. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense qu'on va réussir de réouvrir le site pour la rentrée de septembre. Enfin, en septembre, là. Pourquoi en septembre et pas en été? Parce que je pense qu'il reste encore 2-3 trucs à faire. Et normalement, il n'y a plus rien à part le plugin. Trop haut niveau. À part le plugin de. De robot sans âme, là, je l'aime tellement. Magnifique collection de tombes de lui. Et en fait, le seul plugin actuellement. En gros, le site, là, normalement, là, il n'y a plus rien à installer dessus. Toutes les fonctions que je voulais y sont, normalement. Donc, il ne devrait pas ramer plus. À part quand on va le remplir, forcément. Mais il ne devrait pas ramer plus que ce qui rame déjà, en fait. Il est déjà assez lourd à charger. Mais bon, au moins, on a toutes les fonctions que je voulais. Et je suis plutôt content du résultat. Donc le seul truc qui va me manquer après, c'est le plugin pour pouvoir avoir les PDF plus lourds, parce que pour l'instant je suis limité à 15 mégaoctets par PDF pour faire les notices ou les magazines. Mais en dehors de ça, normalement tout le reste c'est ok. C'est-à-dire que le système de succès est mis en place, le système de quête aussi, le système de rang, le système de partage, etc. Tout a l'air d'être fonctionnel, donc ça devrait être bon. Peut-être que je remodifierai un petit peu les... Ah, mais il a tourné pile au moment où... Quelqu'un voit quelque chose? Ah, le lâche. Le voilà, parti bord avant. Et en plus, il s'est barré, quoi. Mais c'est tout quiche. Un éléphant dans un couloir, quoi, vraiment. Allez, on le ramène. Joli coup, capitaine. Le requin est touché. Là, ça va faire mal. Pour repérer sa nageoire. Il vient sur nous. Le cordage est amarré, capitaine. C'est ça. Épuise-toi. Il est passé où là? Waouh, waouh, waouh. Mais non, on était bien dessus là. Ça m'agace quand j'ai l'impression que la. J'ai l'impression quelquefois que le truc que je lance, il lui passe à travers, ça me perturbe. Mais c'est peut-être parce que je regarde très mal. Tiens, dans tes dents, bestiaux. Ah, là par contre, c'était vraiment à côté. La bête est touchée. Ah, mais non.
Les dents de la mer en pire. Attention, par tribord avant. C'est ça les gars. Le lâchez pas. La bête est touchée. Tu es ma proie. Non, c'est parti complètement à côté. Complètement à côté encore. Complètement à côté. Encore. Quand on va se battre contre Moby Dick, ça va être magnifique. Ah. Bah ouais, il est à nous. Il va nous faire couler, il est mort. Ah, le jeu sait plus trop où il en est là. Je l'ai un peu fait bugger. Les dents de la belle-mère. Non, normalement ça n'en a plus ça, une belle-mère. Quoique, ça dépend de l'âge de ta belle-mère en fait. Ah, le menu fabrication permet de... Allez, dis-moi tout. Fabrication disponible pour l'instant. Bah forcément, je ne suis pas athée à l'espèce de quiche. Padam padadadadam. Il y a des sacrés bateaux par ici, hein, ça donne tellement envie de les attaquer. On va attendre hein, quand même, parce que je vois que les niveaux sont largement supérieurs aux nôtres. Alors vous voyez, ils sont déjà supérieurs à notre niveau, d'accord? Maintenant, imaginez que les navires légendaires sont niveau 75. Eux, ils sont niveau 36. Ça commence bien ça. Non. J'ai pas les paroles. Et si Kyo. Oh non, on va encore avoir une tempête. Mais non, non, sérieux les mecs, vous avez pas autre chose à foutre? Ah, ils sont attaqués. Quoi qu'il est presque KO le bateau là-bas. C'est quoi comme bateau? Frégate. On peut l'aborder. Je vais quand même achever l'autre. Et si je vois que je commence à trop galérer contre le... Est-ce que c'est long un bateau qui fait une tour? Y'a pas de tornade, y'a pas de tornade. Non, ils l'ont coulé. Oh les saletés! Pourquoi ils ont coulé la frégate? Mais c'est un manque total de respect envers tout. Ils ont coulé mon bateau. J'allais avoir une nouvelle frégate toute neuve. Le Trianon, comment c'est bon ça?
Mais je suis bête, je peux pas me protéger quand je fais ça. Ouais, mais j'ai crevé bêtement parce qu'ils m'auront tout bouffé là. Comment je déguste? Je vais couler. Synchronisé, bah ouais, forcément. Ah, mais monsieur Tartine, comment ça va? Je n'ai pas baissé la grande voile, peut-être pour ça que je tourne mal. Pas doué, quand on est pas doué, on est jusqu'au bout, de toute façon. Adrien! Ah non, c'est Adrien. Pourtant, ça aurait pu être proche, hein, écoutez. N'empêche, j'ai remarqué que je me suis un petit peu réveillé depuis tout à l'heure. Je vais l'aborder direct le bateau là si je peux. Oui, abandonne-le, abandonne-le. Ça va aller. Changer les amortisseurs de ma voiture, j'en ai chié, j'en ai mal aux mains. Et je l'ai fait, je suis un dieu. Vénérez-moi. Le fait est que moi j'ai pas fait m'enrouler ma voiture depuis un petit moment, j'ai peur que la batterie soit un peu KO. Et à vrai dire, ça me fait peur. Ah non, mais non. Ça, ça m'agace quand on est dessus et que ça tire pas correctement. Non, voilà, ça a pas envie. Rien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pas compris. En tout cas, c'est une mission accomplie pour le Tartine. Et t'as vu, je suis vraiment pas doué avec le stylo hein, pour l'instant. J'espère que je vais m'améliorer avec le temps parce que c'est pas gagné. En fait, c'est super compliqué à utiliser parce que le truc il produit du plastique en continu. Et ça va super vite. Je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Peut-être qu'il faudra que je baisse encore la température en fait. On va réparer le jack d'eau parce que là je souffre très fort. Non mais elle va se calmer la frégate là. Non mais oh, faut qu'elle se calme celle-ci. Vous savez quand ça sent pas bon, et bah là c'est typiquement ce genre de scène. Vas-y, 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 faut qu'on puisse l'aborder avant qu'on ne meure, s'il vous plaît. Allez, mais il est pas pressé ce bateau. Augmente le son du jeu. Pourquoi le son du jeu est-il si bas? Ouvrez le mixeur de volume. Toc, 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 c'est parce que je baisse quand il y a Bobby, c'est pour ça. Comme je pense pas forcément à le remonter, normalement ça devrait aller mieux là, messieurs, mesdames. Mais c'est la quatrième fois qu'on me le dit, j'ai rien vu.
Le pire, c'est que j'aurais bien récupéré pour mon propre... Là-bas, je peux pas le viser. Tout à côté. Céline Possama, comment ça? Ah, je suis pas fini. Ah bon? Bah j'ai rien vu, écoute, désolé. Voyons qui est celui, lui. Aïe. C'est bon, ça va le faire. Bon, j'ai pas récupéré pour la flotte, mais parce que j'ai vraiment plus besoin de réparer le bateau là pour m'attaquer au fort. Regardez-moi cette vie que j'ai, quoi. Je suis en train de souffrir de partir face à ce fort. Au pire, je m'éloigne du fort et puis je suis quelque part où je peux le retaper. Mais accélère! J'ai l'impression qu'il tourne plus le navire d'habitude, il est bien plus rapide pour faire des virages. Et demi-tour. Faut que j'arrête d'accélérer comme ça parce que je peux pas me protéger quand je fais ça. Mais qu'est-ce qu'il est lent ce truc! On va encore crever ici, hein. On attend les ordres! Et là, on voit rien. Mieux de barrer, j'ai crevé là. On va se barrer. Tant pis, on reviendra une autre fois, mais là je le sens pas. Si c'est pour mourir, c'est pas la peine de recommencer. Bah oui, mais comme je dis, c'est pour ça que j'essaie d'enlever les voiles à chaque fois. Que j'habille plusieurs fois sur B. Mais j'ai l'impression que je dois soit mal appuyer, soit mal faire mon truc, mais ça devient une catastrophe à chaque fois. Là, il y a un point d'observation. Le truc, c'est que je sais pas vraiment ce qu'on peut trouver ici. Bref, on s'en trompe, on s'en va. Notre objectif, c'est de survivre quand même. Et on va essayer d'avancer un petit peu dans la quête principale. Et j'ai pas réduit tout ce que je voulais. Voilà. C'est une Twingo. Non, mais il y a des moments où, tu vois, là par exemple, si je veux tourner, voilà, là, tu vois, il tourne tout de suite, j'ai l'impression en fait. Qui prend un virage super rapidement et je peux faire un demi-tour vite. Et en fait, une autre fois, non. C'est ça, moi, qui m'agace. Et j'ai l'impression que c'est de poids de mesure, en fait. Non, mais regarde. Là, regarde, t'es comment il tourne. J'ai l'impression qu'il tourne plus vite, en fait. Mais après, peut-être que c'est moi qui. C'était qu'une impression, c'est moi qui craque. Je sais pas, c'est l'ampleur possible. Mais bon, là, je vois qu'on va passer des plombes à galérer là-dessus. Voilà, donc on va aller voir ailleurs si on y est. Et on va aller rejoindre, je sais pas, moi, par exemple, la quête principale. Tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça.
viens de voir un truc qui est un peu triste quand même. Bon, je suis actuellement sur un des pires rangs. C'est la faute du jeu. Bah ouais, exactement comme toi avec Tomb Raider. Et du coup, on en était où nous? Avec eux, faut qu'on aille parler. Bah, je suis pas encore arrivé ou. Non. Donnez-moi de la vitesse! À vos espars! Je veux de la toile! Tu veux pas continuer? Bonne nuit, Tartine, et bon courage encore une fois. À la prochaine! Il fait de bourré, mais prends soin de toi. D'ailleurs, c'est bien gentil, mais je vois que Skype n'est pas vraiment lancé. Si? Si, non, si. Je sais pas, au cas où, je préfère qu'il le soit, on sait jamais. Ah ouais, direct comme ça, ça lance la mission. T'en veux une autre? Rome flip cette fois. Et où veux-tu que je trouve des œufs frais dans cette maudite ville? Y'a rien d'autre que de la pisse et des insectes. On essaie de changer ça. Belle lady, quel est ton joli nom? Anne quand ils sont à jeun, traînés quand ils sont raides, mais jamais lady. Eh bien, très chère Anne, J'y crois pas un mot, tu m'entends? C'est un ramassis de mensonges. C'est une ruse pour nous ramollir avant d'attaquer Nassau. Tu verras, tu peux me croire. C'est pas une ruse, Vane. Je l'ai appris de la bouche même d'un gros capitaine des Bermudes. Je te dis qu'un pardon est offert à tout pirate qui en voudra. Ruse ou non, je ne doute pas un instant que les Anglais reviendront à Nassau et armés jusqu'aux dents. Il nous faut un plan. Viens avec nous, Kenway. Tout ça ne présage rien de bon. Je vous suis les mecs. Oui, contrôle M, c'est bien ça. En l'absence de toute idée digne de ce nom, mieux vaut se faire oublier. Ni piraterie, ni violence. Ne faites rien qui puisse agacer le roi. La digestion du roi est le cadet de mes soucis, Ben. Il changera d'avis quand il enverra ses soldats nettoyer cette île de tous les pirates qui l'habitent. Ouvre un peu les yeux. Tu mourrais pour ce cloaque? Oui! C'est notre république! Notre idée! Une terre libre aux mains d'hommes libres! Tu te souviens? Peut-être qu'elle n'est pas. On est passé les 40 minutes. Mais Nassau mérite encore qu'on se batte pour elle, non? J'en sais rien, Ed. Quand je regarde le fruit de nos années de labeur, je ne vois que la maladie, l'oisiveté. La bêtise. T'entendre bonne parler, Lidoun. Cet endroit n'est pas si différent de Londres, hein. Fais de beaux rêves, prends soin de toi et à la ça, prochaine. T'as raison. Si on voit les choses en face, on s'en sort pas si mal ici. Par contre, c'est embêtant qu'ils aient enlevé le fait que les personnages avancent tout seuls. Et de quoi prendre du bon temps jusqu'à plus soif. Oui, Nassau est peut-être attirante de loin, mais quand on voit les choses de près, ce n'est qu'une infection qui soulève le cœur. Maladie, ça se guérit, Ben. Suffit juste d'avoir le bon remède. Mais les morts ne se relèvent jamais. J'arrive pas à croire que de tels mots sortent de ta bouche. Pourquoi ne pas accepter le pardon et en finir? Du calme, tous les deux. Si on reste unis, tout le monde y trouvera son compte. On doit se procurer ses remèdes pour régler notre problème. Mais sans attirer l'attention des Anglais. Oh, des rats. Prêt à parier que le médecin le plus proche est à La Havane. Mais je compte pas y mettre les pieds. Il va y en avoir dans les galions de la flotte qui a coulé il y a deux ans. Bien conservé dans des fioles de verre. Il te faudra une cloche à plongeur si tu veux aller aussi profond. Ah. On n'aura aucun mal à s'en procurer contre de l'or et des marchandises. Voilà un plan qui me convient. Trouvons des remèdes sans causer de troubles. D'accord, Satch? Ça me va, ouais. Te retrouverai aux épaves dès que tu seras prêt, Kenway. Oui, monsieur. Et souviens-toi, Satch. Fais taire tes canons. M'emmerde pas, Ben. Je crois qu'ils aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ce qui peut se comprendre. Alors ça c'est fait. Est-ce qu'il y a un truc particulier à faire par là? Non.
Là, il y a du croco. Mais le croco, on s'en schtroumpf. Par contre, là, il y a du lapin. Donc, on va... Ah, j'avais dit qu'il fallait que je coupe la rediffusion. Bah oui, on a 45 minutes. Donc, du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestageux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Et bonne nuit à toi, Red. Et à toi, Sirius. Ah non, c'est pas Sirius qui va se coucher. C'est plus Didoun et Red. Ok. Bonne nuit à vous.